Couleur bleue de Prusse, est-elle café russe, où de temps en temps nous allions pour boire au son des violons, aussi peu qu'ils fussent. Dans ce café russe, on y pleurait à chaque fois, comme si c'était la première fois que les violons, lolon, les violons, lolon, oui, les violons jouaient pour nous. Que les violons, lolon, oui, les violons, lolon, que ces violons nous rendaient fous. L'accordéoniste était seul en piste, avec son air de presque rien, l'on ne voyait même pas ses mains. Oui, ses mains d'artiste, accordéoniste, mais qui vous fauche les vodkas sitôt qu'on regardait là-bas. Tous les violons, lolon, les violons, lolon, les violons qui jouaient pour nous. Tous les violons, lolon, oui, les violons, lolon, ces violons qui nous rendaient fous. Dîner à la Russe, dans ce café russe, n'était jamais de tout repos, car les copains venaient bientôt trinquer à la Russe. Et le café russe se transformait en peu de temps en un étrange assortiment, où les violons, lolon, les violons, les violons jouaient pour nous. Où les violons, lolon, oui, les violons, lolon, où les violons nous rendaient fous. Aujourd'hui, c'est que le temps ou que la vie ont des drôles d'astuces. Mais mon café russe, chaque fois que je pense à toi, j'entends encore chanter en moi tous tes violons, lolon, les violons, lolon, les violons qui jouaient pour nous. Tous tes violons, lolon, oui, les violons, lolon, les violons qui nous rendaient fous. Tous les violons, lolon, oui, les violons, lolon, les violons qui nous rendaient fous.